Sosan. Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Garda et le garçon s'appelait Kai. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Garda les réunissa devant la cheminée et leur raconta des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur raconta l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kai et Garda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kai était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Garda, quand je suis allée me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'amener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et ils seront libérés. Kai, s'il te plaît, baisse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kai rire de se moquer d'elle, la Reine des Neiges décida d'emmener Kai dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu! Quel beau traîneau! Tu crois qu'on devrait monter dedans et laisser un jardin? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau, mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent et brille de 1000 feuilles. Oh! Non, Kai, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenus de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau. Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Kai est monté sur le traîneau, les reines se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Kai était très effrayée et le rejetait de ne pas avoir écouté Garda, mais elle était trop tard. Les mois passèrent et il n'y eut aucune nouvelle de Kai. Garda était très triste et pleurait tout de temps. Elle entendait toujours son cher ami. Son meilleur ami était perdu, mais elle était certaine que la Reine des Neiges l'avait capturé. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arriva. Garda était morte d'inquiétude, alors elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Kai. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Garda. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais-lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Garda mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison. Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille vieille dame lui ouvrit la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bons sorts. Entre, ma belle, nous t'attendions. Je sais pourquoi tu es ici. Et je vais t'aider. Tu cherches ton meilleur ami Kai? Mon chat coton te dira où il est. Vraiment?
Merci beaucoup. Gerda a immédiatement allé près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. Cher coton, comment puis-je trouver mon ami Kai? Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt. Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre ami. Gerda les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore, et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. Bienvenue, Gerda. Je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. Je suis vraiment fatiguée et j'ai faim. Merci beaucoup. Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait deux beaux rennes. La petite fille pouvait parler aux rennes. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerda au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidée. Fais un bon voyage, n'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Kai. Prends ça avec toi. Gerda se mit en route avec la reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours. Tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Gerda un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Kai. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Gerda réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. Mes chères reines, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de stalactites de glace. Elle se promena dans le château, mais il n'y avait absolument personne. Kai! Kai! Où es-tu? Kai! Je ne te trouve pas! Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. Kai! Kai! Réveille-toi! Parle-moi! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami! Je t'ai enfin retrouvée! Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animée et a commencé à parler. Gerda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. Nous parlerons de tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite. À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. Gerda la voyait pour la première fois. Avec ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. La Reine des Neiges se mit à crier de colère. Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture? Maintenant, c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. Gerda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi, mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau. Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois ? Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça ? La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée, car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la reine.
de plus en plus petite. Elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui regardaient voyaient leur vraie personnalité. Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance, car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir !» et il demanda si elle voulait se venger de ce qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. Merci beaucoup, je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. Kai et Gerdin réunirent leur reine qui leur attendait, reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté et retrouvèrent leur vieux jouet heureux. Et bien sûr, aux histoires de leur grand-mère. Il était une fois trois petits cochons nommés Honky, Ponky et Minky. Ils vivaient heureux avec leur mère dans leur maison. Un jour, ils sont tombés dans une offre d'emploi dans le parc. Le travail consistait à ramasser des feuilles dans le parc. Minky, le frère le plus jeune et le plus intelligent, a dit avec enthousiasme. Maman, on a vu une offre d'emploi. S'il te plaît, laisse-nous travailler une demi-journée dans le parc demain. Pendant que leur mère examinait leur demande, Honky et Ponky se sont mis à danser autour d'elle, faisant des gestes amusants, la suppliant. Minky les a rejoints aussi. S'il te plaît, maman, laisse-nous travailler. Après y avoir réfléchi, leur mère a accepté. Bon, d'accord. Les trois frères étaient très excités. Ils ont choisi leurs vêtements pour le lendemain, ont pris un bain et se sont couchés tôt. Tôt le matin, ils sont allés au parc. Le gardien leur a fait savoir que le service se terminerait dans la soirée. Ils ont pris leur balai et se sont mis au travail. Mes frères, prenons chacun un coin et commençons à ratisser en travaillant notre chemin. Pendant ce temps, une paire de yeux observait le cochon de derrière les buissons. Ce n'était autre que le méchant loup. Le loup a observé un plan pour empêcher les porcelets de terminer leur travail. Je vais vous apprendre, petit cochon. Vous ne serez jamais capable de ratisser ces feuilles parce que je vous en enverrai d'autres après les avoir soufflées de l'arbre. Je vais souffler toutes les feuilles. Le méchant loup grimpa sur l'arbre et commença à souffler sur les feuilles. Honky continuait à ratisser les feuilles, mais ne voyait pas ce que faisait le méchant loup. Trop de feuilles! Plus on ratisse, plus ils apparaissent! Arrêtez de pleurnicher et ratissez. Il nous reste peu de temps. Les trois frères se remirent au travail. Pendant ce temps,
Le loup allait d'arbre en arbre, secouant les branches pour que les feuilles tombent. Il est arrivé à l'arbre à côté de Ponky. Je vais souffler toutes les feuilles. Ponky ne comprenait pas pourquoi les tas de feuilles ne diminuaient pas. Ensuite, le méchant loup a sauté sur l'arbre à côté de Minky. Je vais souffler et faire tomber toutes les feuilles sur ta tête. Les feuilles tombaient comme des gouttes de pluie. Minky leva les yeux et vit le méchant loup souffler à travers les branches et laissant tomber les feuilles. Il se frotta les yeux, pensant qu'il avait été trop longtemps sous le soleil et qu'il voyait des choses. Mais le loup était toujours là, sautant d'un arbre à l'autre, faisant tomber les feuilles. Minky a appelé ses frères immédiatement. Regardez les arbres. Les porcelets étaient surpris. Ils ont donc tout de suite élaboré un plan. Nous n'avons pas peur du méchant loup. Et ils se mirent à secouer l'arbre où le loup était monté. Le loup réussit à sauter jusqu'à l'arbre suivant. Sur le pommier! Cette fois, ils commencèrent à secouer le pommier. Le loup a été pris de vertige à cause de toutes les secousses, a perdu pied et est tombé au sol. Je n'ai pas encore fini avec vous. Nous nous reverrons. Oui, c'est ça. Il se fait tard. Il nous reste très peu de temps. Le parc est sur le point de fermer. Il y a des feuilles partout. Les trois petits cochons ont commencé à ratisser les feuilles, même s'ils étaient inquiets. J'ai une idée. Il frottait la sève du lentisque et la mettait sur les dents du râteau. Ainsi, les feuilles restaient collées et il pouvait ramasser plus de feuilles en peu de temps. En une demi-heure, ils ont ramassé toutes les feuilles du parc. Ils ont pris une grande respiration quand ils sont terminés. Sur le chemin du retour, les trois petits cochons décident d'acheter un cadeau à leur mère et de leur faire une surprise. Ils voulaient acheter un collier, mais même après avoir réuni leur argent, cela ne suffisait pas. Si nous ne pouvons pas nous offrir un collier, achetons un beau gâteau à la boulangerie. Ils ont joyeusement mangé le gâteau et se sont frottés le glaçage sur le nez l'un de l'autre. Maintenant, dites-moi, vous avez eu du plaisir à travailler? C'est amusant, maman. Un peu fatigant, mais on s'est quand même bien amusé. Les feuilles étaient si colorées et si belles. Elles sont si belles lorsqu'elles tombent sur le sol. Mais c'était plus drôle de regarder le loup tomber de l'arbre. Gretel aimait lire les contes de fées. Un jour, alors qu'elle lisait, Ansel lui demanda.
Que lis-tu, Gretel? Je lis l'histoire du bonhomme du pain d'épices. Comme il court vite et personne ne peut l'attraper. Oui, je le sais. J'ai aussi lu ce conte. J'aimerais pouvoir le rencontrer. Tu n'as pas entendu? Le bonhomme de pain d'épices va participer à la course de printemps. Gretel était enchantée de cette nouvelle. Vraiment? Rejoignons les rangs de la course. Ce serait bien de les rencontrer et de courir contre lui. C'est bien. Nous ferions aussi de l'exercice. La méchante sorcière des marais a également découvert que le bonhomme de pain d'épices allait participer à la course. Ce sera très chouette d'avoir le bonhomme de pain d'épices pour le thé de 5 heures. Ansel et Gretel se rendirent en ville pour participer à la course et rencontrèrent le bonhomme de pain d'épices. Je suis si heureuse que tu sois là. J'adore tes contes. Le bonhomme de pain d'épices les a présentés aux membres de sa fratrie. Enchantée de vous rencontrer. Voici la fille de biscuit aux amandes et voici l'homme de biscuit au chocolat. Super, je suis Gretel. Voici mon frère Ansel. Nous sommes heureux de vous rencontrer. Bien sûr, la sorcière du marais était là aussi. Alors, le bonhomme de pain d'épices a amené ses frères et sœurs aussi. Comme c'est gentil. Je vais me régaler de biscuits. Et la course a commencé. Le bonhomme de pain d'épices criait tout en courant. Je suis le bonhomme de pain d'épices. Personne ne peut me battre. Ses frères et ses sœurs couraient aussi vite. Ansel et Gretel étaient à la traîne. Ils courent très vite. C'est difficile de les rattraper. Ce n'est pas grave. C'est quand même sympa de se mesurer à eux. Pendant ce temps, la sorcière du marais se cachait et attendait. Viens ici, petit biscuit. Mais le premier mouvement de la sorcière a échoué. Mince! Viens ici! Ne cours pas! Je ne peux pas rater les deux autres! La sorcière va t'attraper! Cours! Sautez! Ok, maintenant vous êtes entre mes mains! Oh non! Elle les a attrapés! Je t'attraperai aussi, bonhomme de pain d'épices! Je vais tous vous manger! Ansel et Gretel ont vu ce qui s'était passé. Oh, c'est la sorcière! Elle a attrapé les frères et sœurs du bonhomme de pain d'épices. Sauvons-les! Quand la sorcière réalisa qu'Ansel et Gretel approchaient, elle arrêta d'essayer d'attraper le bonhomme de pain d'épices. Ce sera suffisant pour le thé de 5 heures! Laissez-moi m'échapper avant que ce dé-là ne m'attrape! Le bonhomme de pain d'épices était très triste. La sorcière va manger mes frères et sœurs si je ne les sauve pas. Ansel et Gretel décidèrent de l'aider. Ne t'inquiète pas, nous allons les sauver. Mais d'abord, ils devaient en savoir plus sur la sorcière et sur l'endroit où elle vivait. Je n'ai jamais vu cette sorcière avant. D'où vient-elle ? Une chouette perchée sur une branche a dit aux enfants qu'elles étaient une sorcière des marais et qu'elle vivait là. Donc cette sorcière vit dans les marais. Dépêchons-nous de sauver les frères et sœurs biscuits de cette méchante sorcière. Ansel et Gretel participèrent donc avec le bonhomme de pain d'épices vers le marais. Après une longue marche, ils atteignirent le marais. Cette maison de lierre est probablement la sienne. Le bonhomme de pain d'épices est inquiet car le temps presse. Nous devons les sauver avant son thé de 5 heures.
À l'intérieur, la sorcière était occupée à préparer son thé. Je vais vous goûter dans un instant. Les enfants essayaient de trouver un moyen. Comment pouvons-nous les sauver? Ansel a immédiatement pensé à quelque chose. Voici le plan. Homme de pain d'épices, tu vas attirer l'attention de la sorcière. Quand elle sortirait pour t'attraper, nous... Il explique son plan à Gretel et au bonhomme de pain d'épices. D'accord? Vous comprenez? Oui, d'accord, on a compris. Pendant ce temps, la sorcière se préparait à boire son thé. Viens ici, biscuit aux amandes. Laisse-moi te goûter en premier. Oh non, elle va manger ma sœur. Attirez son attention, vite. Hé, sorcière, regarde, je suis là. C'est quoi tous ces cris? Qui crie? C'est moi qui vous le dis. Laissez-les partir ou je te détruirai. Ah, tu es venu, c'est bien. Je vais prendre un autre cookie maintenant. Allez, Ansel, attache-la. Oh non, Ansel! Allez! Vous allez m'attacher, hein? Le marais vous attend pour vous avaler! Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça! La méchante sorcière avait complètement oublié quelqu'un. Le bonhomme de pain d'épices. Ok, allons chercher les frères et sœur Cookie. Je t'ai sauvé. Youpi, nous sommes sauvés, enfin libres. Je n'aurais pas pu sauver sans ton aide, merci. Faites-moi sortir d'ici! Help! Que ce soit une leçon pour toi. J'espère que vous ne ferez plus jamais de mal. Et c'est alors qu'ils rentrèrent joyeusement chez eux.